Aujourd'hui, une vidéo sur les aliments qui vont faire exploser votre poids sur la balance et qui vont, euh, qui vont faire que vous allez faire du gras, que vous allez faire de la rétention d'eau, c'est-à-dire que vous allez, le, votre, votre corps va conserver de l'eau euh, en vue de quoi bah, Ça, vous le verrez dans la vidéo. Et euh, on est parti, du coup, le top va se faire sur un top 3, pour que ce soit simple et que la vidéo soit le plus courte possible. Et, euh, et ben bah, ça y est, c'est parti si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Nous sortons deux vidéos à peu près par semaine, deux conseils de santé au naturel que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Donc n'hésitez pas et ça va surtout euh, permettre à la chaîne d'avoir beaucoup plus de visibilité, d'avoir plus de vues tout simplement. Et, euh, et ben, ça motive. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et euh, n'oubliez pas aussi les petits pouces. Dans le bas du top, nous avons les féculents. Et oui, les féculents font grossir. Je sais qu'on peut entendre, euh, j'ai entendu même certains nutritionnistes dire que les féculents ne faisaient pas grossir. Mon Dieu, mais dans quel monde vit-on euh, Les féculents sont extraordinairement... Euh, créateurs de matières grasses puisqu'ils vont être extrêmement indigestes pour notre organisme. Ils sont très compliqués à digérer, ce sont des sucres complexes et ils contiennent des amidons. Donc dans les féculents, vous avez le pain, les pâtes, les le riz, euh, le maïs, maïzena, tous ces produits-là. Euh, donc en gros toutes les céréales et vous avez aussi les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, haricots blancs. Enfin vous voyez. Tous ces produits-là contiennent une grande quantité d'amidon. Cet amidon est extrêmement indigeste, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va faire que nous allons créer au niveau du côlon. Une, une, grande, euh, une grande explosion des populations bactériennes, puisqu'elles vont être friandes euh, de ce sucre que nous, nous ne pouvons pas digérer, mais qu'elles vont devoir digérer. Et vous avez ainsi une grande rétention d'eau qui va se faire à cause des féculents, et aussi une grande, euh, une grande accumulation de gras, et sans compter que les féculents vont faire exploser l'insuline. L'insuline, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une hormone qui va être sécrétée par notre pancréas et qui est l'hormone du stockage. C'est-à-dire que quand nous allons manger un aliment, nous allons le digérer et euh, c'est l'insuline qui va faire que cette, les nutriments... Qui sont contenus dans cet aliment, donc en particulier les glucides, vont passer dans notre organisme et ils vont pouvoir être stockés d'abord sous forme de sucre en glycogène et ensuite sous forme de gras. Donc, plus vous consommez des produits qui vont vous faire, pro qui vont vous faire produire des, des grandes quantités d'insuline, et plus vous allez stocker et donc faire du gras. Sur la deuxième marche du podium, nous avons tout ce qui est biscuits salés tous les apéros, toutes les chips, tous les petites, euh, toutes les petites euh, euh, milliardises, je ne sais pas si on dit exactement ça, enfin tous les tous les amuse-bouches que l'on va prendre en général à l'heure de l'apéro, qui sont euh, totalement proscrits quand on veut réguler son poids, tout simplement parce que déjà c'est une grande quantité d'amidon qui reste. Hein. C'est essentiellement du blé, du maïs en très grande quantité, du dextrose, des choses comme ça. Enfin, encore des dérivés du maïs, des, des, des sucres en très grande quantité et qui vont être très compliqués à digérer, exactement comme dans le cas des féculents et des légumineuses. Mais en plus, avec tout ce sel, euh, le sel est favorisant de la rétention d'eau, c'est-à-dire que le sodium au niveau de la cellule va retenir l'eau. Tout simplement, et euh, il va faire que nous allons gonfler. Alors, on peut gonfler des mains, du visage, des, euh, des jambes, souvent pour les dames. C'est le, le phénomène des, manches, des jambes lourdes et qui fait qu'on va aussi avoir des phénomènes d'hypertension. Donc, tout ce qui est biscuits, apéro, chips et tout ça, tous, les, tous les, les cacahuètes aussi, cacahuètes salées, sont à bannir si vous voulez retrouver une belle silhouette. Et tout en haut du podium, on l'applaudit bien fort, c'est le sucre. Le sucre blanc, mais on va dire le sucre rapide, et essentiellement le sucre industriel qui est utilisé largement dans l'industrie. Et on va aussi penser, avoir une pensée toute particulière à tous les sucres qui sont censés ne pas nous faire grossir, comme les, enfin les, les édulcorants tout simplement, comme on les appelle, donc l'astévia l'aspartame, par exemple, euh, tous ces produits qui sont, euh, qui sont dans les light, hein, dans les produits light, qui ne vous font pas grossir, alors que c'est exactement l'inverse, tout simplement, puisqu'ils vont envoyer un message au cerveau, et le cerveau lui va considérer qu'il y a une grande quantité de sucre, même si ce sucre là en soi ne, ne crée pas de. de de, de gras spécifiquement, il va euh, il va envoyer un message au cerveau qui va faire qu'on va sécréter énormément d'insuline et donc euh, faire une grande une, un grand stockage stockage qui va être sous forme de gras encore une fois donc le sucre transformé là qu'on va retrouver dans euh, les pâtisseries, les biscuits, les bonbons, les glaces, les crèmes glacées, les yaourts, etc. etc. tout c'est Produit euh, hautement sucré et un sucre surtout qui n'apporte rien, puisqu'il ne va apporter ni euh, minéraux ni vitamines. Donc en fait, c'est totalement en négatif pour nous puisque nous allons nous retrouver avec un produit qui ne va que nous, nous apporter du stockage, du stockage et encore du stockage. Et donc là, en fait, c'est énormément de gras qui va se faire au niveau de la sangle abdominale et euh, énormément de rétention d'eau, puisque évidemment, qu'est-ce que préfèrent par-dessus tout les bactéries qui sont dans notre colon et qui font qu'on va faire aussi beaucoup de rétention d'eau, puisqu'ils vont créer beaucoup d'acidité Eh bien, c'est le sucre. Et c'est ce sucre-là. Qui, euh, que nous avons du mal à digérer mais que eux vont adorer. Commencer par ralentir les féculents donc tout ce qui est pain, pâtes, riz, euh, maïs etc, tout ce qui est légumineuse donc les lentilles, pois chiches, euh, flageolets Ralentissez ces produits-là, euh, essayez de, les, de, de, de ramener plutôt des graines, des amandes, des, des oléagineux, par exemple, amandes, noix de cajou, noisettes, qui peuvent les remplacer, euh, remplacer largement au niveau de la mâche. Ça va faire une bonne compensation. Et pour ce qui s'agit des biscuits, apéro, chips et tout ça, et les sucres industriels, si vous arrêtez dès maintenant, si vous stoppez ces produits-là, je vous promets que vous allez voir déjà une, un énorme changement sur la balance et aussi au niveau de la silhouette. Vous allez euh, clairement baisser en taille de pantalon, de robe, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Bientôt à suivre une vidéo spécifique à la, à la prise de poids et on va tout reprendre, on va tout reprendre sur tout, toutes, les, toutes ces idées reçues qui fait qu'on ne sait plus trop bien où donner de la tête et, euh, et on va remettre. Tout ça à plat. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et euh, prenez soin de vous.